Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Compagnie. Aujourd'hui, on va vous parler de marché chinois et pourquoi il faut vendre votre produit sur le marché chinois. On va vous expliquer étape par étape. Première raison, c'est le marché chinois est immense. Comme vous savez tous, la population chinoise est très très nombreuse, 1,4 milliard. Et la plupart des Chinois, ils ont tous un téléphone, ils peuvent aller acheter en ligne. Donc, vous pouvez toucher votre clientèle chinoise assez facilement par réseau internet et aussi par des boutiques physiques. La deuxième raison, c'est la capacité d'achat. La Chine est la deuxième plus grande pays dans l'importation de biens et services dans le monde. Avec l'augmentation de salaires et revenus, les Chinois ils ont de plus en plus de moyens à consommer et acheter. Ils aimaient bien le produit étranger. De ce fait, on voit qu'il y a beaucoup de marques étrangères qui réussissent sur le marché chinois, notamment des produits françaises aussi. La troisième raison, c'est le taxe. Depuis que la Chine rentrait dans l'organisme OMC, Organisation mondiale du commerce, la Chine a baissé considérablement son taxe d'importation. Depuis 20 ans, le taxe sur les produits d'importation a baissé de moyen 15,3% et à aujourd'hui 7,4%. Ça, c'est les taxes moyens des produits d'importation. Malgré le conflit économique entre USA et la Chine a augmenté beaucoup de taxes par rapport aux produits importés depuis USA, mais l'Europe n'est pas impactée. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous qui fait les commerces entre la Chine et l'Europe. La dernière raison, c'est aussi une raison très favorable pour tous les fabricants européens. Les Chinois, ils ont une préférence pour les marques européennes, notamment des pays développés comme Suisse, France, Allemagne, Espagne, Italie, etc. Donc tous ces pays ont une très bonne image sur le marché chinois. Donc quand on fabrique un produit depuis la France, et ben c'est souvent considéré comme un produit de bonne qualité ou bien de luxe et vous pouvez vendre très bien sur le marché chinois. Et la France a une très belle image sur tous ses produits cosmétiques et compléments alimentaires dans la santé, également son high-tech, surtout dans le secteur nucléaire et les services informatiques, etc. Alors les marques françaises sont souvent très réussies sur le marché chinois. On pourrait voir la réussite de certaines marques comme Louis Vuitton, Hermès, Lancôme, Chanel, Dior, etc. Vous savez qu'au début, quand Louis Vuitton vient de rentrer sur le marché chinois représente qu'un tout petit peu part de marché. Et aujourd'hui, le marché chinois représente 36% de chiffre d'affaires à Louis Vuitton. Si vous voulez augmenter 10%, 20%, voire 30%, voire 100% de votre chiffre d'affaires, vous devez vraiment réfléchir comment vendre votre produit sur le marché chinois. Et en même temps, je vais vous donner un autre exemple des produits français qui se vendent très bien sur le marché chinois. C'est la marque Boiron. Donc vous savez, le laboratoire Boiron. Boiron a eu quelques petits soucis sur le marché français. Par contre, ça n'impacte pas du tout sa vente et sa popularité sur le marché chinois. Vous savez tous, le Boiron fait beaucoup de médicaments. Par contre, ce qui se vend très bien sur le marché chinois, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est sa crème Calendula. C'est une crème qui se vend entre 5 à 8 euros dans la pharmacie en France. Au début, ce produit était un produit rare pour le marché chinois parce qu'il n'est pas encore enregistré, il n'a pas encore des réseaux de distribution qui est créé. Il y a beaucoup de particuliers qui achètent ce produit en France et qui revendait en Chine. Le prix est très cher sur le marché chinois à ce moment-là, entre 15 à 20 euros la boîte de crème Calendula. Et petit à petit, le marché est devenu beaucoup plus officiel et compétitif, donc le prix est baissé jusqu'à aujourd'hui vers 10 euros. Mais ça restait quand même raisonnable. Le produit a été vendu millions de fois en Chine. C'est un produit peut-être même pas très connu sur le marché français, mais ce produit a eu énormément de succès sur le marché chinois. Donc c'est de ce fait, il faut bien réfléchir à comment positionner ses produits et comment trouver son marché en Chine. Et c'est tout ce qu'on peut vous aider là-dessus. J'espère que notre vidéo peut vous inspirer sur votre démarche et votre développement sur le marché chinois. N'hésitez pas à nous contacter via LinkedIn ou notre site internet si vous avez besoin de conseils et accompagnement. Nous sommes spécialisés dessus. N'hésitez pas à partager et liker notre vidéo. Ça nous aidera beaucoup pour avancer dans notre préparation de vidéos. J'espère à très bientôt sur notre chaîne de Kung Fu Compagnie. Au revoir.